La puissance du Saint-Esprit, que fait-elle aujourd'hui? Les charlatans prétendent que la puissance du Saint-Esprit fait tomber les gens dans leur spectacle public. Mais que dit la Bible sur ce que fait la puissance du Saint-Esprit? La puissance du Saint-Esprit habilitait les anciens prophètes à parler. Je suis rempli de force. Grâce à l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de courage pour faire connaître à Jacob sa révolte et à Israël son péché. Elle a autorisé Jean-Baptiste à prêcher. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Elle a conçu le Fils de Dieu chez Marie, la mère de Jésus. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Elle a oint Jésus, le Messie, pour faire des miracles. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa réputation gagna toute la région. Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Elle permettait aux apôtres de Jésus d'authentiquer la bonne nouvelle. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins, jusqu'aux extrémités de la terre. Par la puissance des signes et des prodiges et par la puissance de l'Esprit de Dieu, j'ai abondamment propagé l'Évangile de Christ. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Notre Évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Il renforce l'espérance des chrétiens. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Elle met en contraste l'esprit qui agit dans le monde. Vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles.